Allez, salut tout le monde, ici Play4You, let's go, c'est parti, on attaque 13ème, 13ème épisode de Prison Architect. Vous savez ce qui se passe dans les épisodes 13, ça se passe toujours mal. Bah écoutez, j'espère que celui-ci pour une fois me portera bonheur. Je rappelle, l'objectif 300 prisonniers dans la prison. Pour l'instant j'en ai 117 sur 200 de place, donc en termes de place on est plutôt pas mal. On va pas essayer de se concentrer là-dessus dans cet épisode, parce que là j'ai vraiment plus besoin de ça. Il faut que j'arrive maintenant à reprendre le contrôle de la prison. On l'a vu, ça devient depuis un petit moment, je crois que ça a toujours d'ailleurs, soyons francs, était le bordel dans cette prison. J'espère que ça va aller. Alors, on va prendre le temps de faire ça bien. On va juste avancer un peu le temps. Oui, j'ai eu la grosse Bertha dans l'épisode, il y a deux épisodes. Et du coup, ils peuvent pas manger. Ils peuvent pas manger. Et c'est le bordel. Et il me reste encore tout cet épisode à faire sans manger. On va juste regarder. Voilà, sans manger. Ah, ça faut que je le vire. Toc. Et ensuite... Et bien ensuite, ensuite, si je survis à ce massacre, attendez, je suis en train de faire ça, toc, voilà, si je survis à ce massacre, et bien écoutez, ce sera un vrai petit miracle, puisque pendant 2 jours, mes 100 prisonniers n'auront pas bouffé, et c'est un vrai petit miracle si, si j'y arrive. Bon, wait for fund, oui exact, je dois toucher 16 000 $ dans 70 heures, ça c'est un des contrats. Bon, jusque là tout va bien. Là c'est bon, là c'est bon, on est à combien? Oh, j'ai plus de thunes, putain, je peux pas faire grand chose, ça le problème c'est que j'ai vraiment plus de thunes. Donc je regarde, yard, alors yard c'est bien, mais j'ai pas d'objet à l'intérieur. On va en poser, voilà, j'ai pas assez de thunes. Voilà, j'ai juste de quoi mettre un banc de musculation ici, mais c'est tout. Parce que j'en avais pas d'autres ici, ouais j'en ai d'autres. Alors dump. Voilà, dump. Hop. On va basculer ça. Parce qu'ici ça sert plus à rien, à moins de mettre une yard ici, mais non ça sert à rien. La cantine, bon bah ils y vont, ils ont faim, mais il n'y a rien à bouffer. Classroom, il y en a qui... Oh putain, il y en a qui apprennent. C'est un vrai petit miracle ce qui est en train de se produire. Programme, et ben voilà. Ça y est, l'éducation est enfin activée. Oui, 26%. Ah ouais, c'est bon ça. 26%. Avec un peu de chance. Ouais, ça prend énormément de temps, c'est ça le problème quoi. Éducation programme. Ouais. Bon, faute de mieux, on va attendre de toute façon. Ok, ça me va. Ok, ici c'est bon. Oui, c'était cette... C'était... Ouais, c'était cette classroom là qui fonctionne pas. Ok, d'accord. Je me suis emballé pour rien. Je pensais que c'était l'autre. Classroom 1-1-1. Excusez-moi, je regarde. Ouais, bon, ok, ça marche. Ça, c'est bon. Je crois que depuis le début, j'ai pas fait le truc des visites ici. À chaque épisode, j'arrête pas de me le dire, mais... Ah, peut-être que je le fasse, un de ces quatre. Visitor table. Bah, si, il y en a des visitor table. Regarde, elles sont dedans. Tu vas pas m'en kikiner. Regarde, elles sont là. Voilà, parfait. 1-1-1-1-1. Ici, c'est bon. Common room, c'est tout le temps ouvert. Là, patrouille. Pff, ouais, ok. Bon, excusez-moi, je prends mon temps, je regarde un peu. Ça se passe bien, ça se déroule bien. On est peinard, on est heureux de vivre. Là, c'est bon. 117. 1-1-1. Ah, j'ai 25 prisonniers qui arrivent dans pas longtemps. Ça va faire plaisir. Il faut que je remplisse un peu ma prison maintenant que j'ai la place. Le truc de bouffe. Ok, bon bah on va accélérer un peu le temps. De toute façon ça risque d'être un épisode assez calme. Fais voir les besoins. Ouais, c'est la catastrophe en termes de bouffe. Famille, récréation, qu'est-ce qu'il y a? On a trouvé des clés, ok. Donc famille, bon je peux pas y faire grand chose à part agrandir la pièce ici, mais j'ai pas assez d'argent, je peux pas y faire grand chose. Récréation. Bah récréation, vous avez du temps libre, donc j'ai envie de dire arrêtez de me casser les glaouis. Parce que là, vous êtes vraiment dans une prison où vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, donc ça va. Ok, donc ça j'en ai retrouvé, non j'en ai pas retrouvé. Ok, là on est bien, là on est bien. Bon ça va être le bordel, hein, faut pas se leurrer. Je crois que la bouffe, ça va être le bordel. Donc c'est quoi? C'est cette nuit, c'est le deuxième jour, on est d'accord, et du coup demain au réveil, je peux les remettre à bouffer. Normalement c'est bon, puisque dans l'épisode précédent, j'ai fait une journée complète sans manger. Là c'est la deuxième journée complète sans manger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi ça gueule comme ça? Ils ont défoncé la table, quoi. Mais oui. Du coup, c'est la deuxième journée complète sans bouffer. Normalement, le matin au réveil, on doit pouvoir le faire. On va leur faire de la bouffe ici. De la bouffe ici. Et de la bouffe ici. Voilà. On remet les trois trucs de bouffe pour la prochaine journée. De demain. Donc c'est parfait. Ça c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Il me faut de l'argent en fait. Faut de l'argent. C'est comme dans la vraie vie, c'est le nerf de la guerre. On a une balance très positive, c'est plutôt bien. Ça c'est bon. Bon, on est bien là. Ce que je propose, de toute façon, il va pas se passer grand chose là. Je vais faire une coupure. Et je vous retrouve dès demain matin pour la suite. A tout de suite. Voilà, je vous retrouve. Le jour se lève. Alors j'ai changé quelque chose dans le programme. J'ai fait en sorte que quand ils se réveillent, ils aillent bouffer. Tout de suite. Là, now, cash. Parce que voilà, on a fait les deux jours sans manger. Et ça devient assez catastrophique. Voilà, on voit que la barre est totalement rouge. Ils ont passé deux jours sans bouffer. Donc on va les faire bouffer pour ce deuxième jour. C'est très très bien. Et puis voilà, en espérant que la bouffe soit prête. Normalement oui, je suis pas sûr d'en avoir assez. Si ça devrait le faire. Voilà, allez, tout le monde va bouffer. Non, il faut laisser ouvert ici. S'il vous plaît, il faut laisser ouvert. Voilà. Voilà, tout le monde y va, ça y est, ils prennent leur plateau au repas. Il était temps. Bon, j'ai toujours pas de thunes. J'espère que ça va le faire avec l'arrivée des nouveaux prisonniers dans quelques minutes. Voilà, ça y est, ça bouffe. Profitez-en, on se fait plaisir. N'hésitez pas, il y a des plateaux repas, il y en aura pour tout le monde. Petite sauvegarde automatique. J'ai 25 prisonniers, faut vraiment pas que j'ai de grosse Bertha ou de grosse Flora, quoi. Sinon, à plus en LAN, quoi. Allez, on y va. Ok, les gens bouffent, c'est parfait, c'est très bien, ça va leur faire du bien. Et on va attendre les différents bus. Donc c'est parti. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a, une baston? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, j'ai l'impression qu'il y a une baston. Ok, allez, c'est parti, on y va. Nous avons Franck, nous avons JJ. JJ, félicitations à toi. Nous avons Nick, nous avons Simon. Nous avons The Sune. Nous avons Tom, nous avons Duck. Nous avons Bébert le cornichon. 13 ans pour attouchement. Bébert, je ne te félicite pas. Nous avons Lascao, nous avons Zantarg, le retour, Sean, Ibigo, trafic de loutre, classe. Nous avons Kiliwan, nous avons Red Emma, 2 ans pour viol d'une chèvre, ok, chacun son kiff. Nous avons Lancelot, ah Lancelot, le cultissime Lancelot, toujours fidèle dans Prison Architecte, 12 ans pour trafic de loutre. Nous avons Darren, et est-ce qu'on a encore quelqu'un derrière? Normalement il nous reste un camion. Non, il nous en reste deux même camions, si je dis pas de bêtises. Là, j'en ai 17 qui arrivent. Voilà, donc en voilà un. Nous avons Kratos, Azil, Fernando, Lascao, Néospectre, Trafic de couches, Hogar, Exhibitionnisme. Ça m'étonne pas, ça. Nous avons Zéphimir, 1 an pour conduite bourré. Putain, le mec, il conduit bourré, il a pris 1 an. Faut dire qu'il avait déjà un sacré passif derrière lui. Hein. Il a pris 6 ans pour viol de poney, quoi, le mec. Non, Zéphimir, sérieux, quoi. Nous avons Keizu Nishimura. 3 ans pour attouchement. Et normalement, il nous reste un dernier camion. Si j'ai pas de grosse Bertha, grosse Flora, eh bien, écoutez, je m'en porterai pas plus mal. Suspense. Bon, l'argent, c'est quand tu veux. Ah, t'es tout seul. D'accord, ok, le dernier. Nous avons Vandriel. 4 ans pour viol de poney, overdose d'Eclipsia. Bon, mais ok. Bah écoute, je vois que tu t'es fait plaisir. Je sais pas ce qu'il stream chez Eclipsia, mais ça t'a conduit en tout cas à violer un poney. Chacun son kiff. Bon, j'ai pas d'argent, ça m'embête terriblement cette histoire. Ok. On va laisser ouvert ici tout le temps aussi. Voilà. Donc là, on a quoi? Donc l'hygiène, c'est en train d'être résolu. La nourriture, toujours pas. Ça m'embête, hein. Putain, ils ont pas eu le temps de bouffer encore. Famille, récréation. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez un peu là. En train de se battre les mecs, quoi. Sérieux, je veux bien, mais quand même, quoi. Ok, la salle des visiteurs, c'est là. Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait tout le temps mettre quelqu'un là-dedans. Oh, coup de taser. Bing. Ça, c'est un coup de taser. Ça, on l'a bien entendu. Oh, il y en a un qui a bouffé. Je sais pas qui c'est qui l'a bouffé, mais il l'a bouffé, en tout cas. Donc ici, ils s'amusent bien dans le yard. Ils se font plaisir. Ouais. Je vais ouvrir ici. Je vais ouvrir, ça va.
Donc là, ce qui... c'est moi où il y a de la baston quelque part. Je crois qu'il y a de la baston sous la douche. Non, il y a de la baston quelque part là. Ah, c'est ici. Je savais bien que j'entendais de la baston. Oh les mecs quoi, sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Baston ici. C'est qui fout le bordel comme ça là? Putain, mais c'est Rogrim quoi. Oh, 25 ans pour meurtre. Ah bah oui, t'as plus rien à perdre toi. Encore baston? Voilà, baston sous la douche. Non mais Richter quoi. Baston en bas. Qui c'est qui fait? Ibigo. Ibigo. Ça va Ibigo, on se calme un peu là. Oh là 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 là. Il y a de la baston partout les mecs quoi. Alex Click. Allez, même Alex Click il s'y met quoi. Ok, alors là c'est l'émeute. Qu'est-ce que vous foutez les gars quoi? Allez, défonce-le, défonce-le. This guy quoi, putain. Et voilà, ça se bastonne ici. Voilà, même le médecin il est malade quoi maintenant. Même le médecin il se fait défoncer. Oh là 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 là, ce baston. Et ce baston. C'est tout le temps ouvert ici. Bon. Bah c'est pas glorieux. C'est pas glorieux. C'est pas glorieux, c'est pas glorieux. 52 heures pour toucher de l'argent. Si je pouvais toucher un peu d'argent, je vous assure que... je peux vendre 10% pour 30 000 $. Bah je vends, je crois. Voilà. Voilà, j'ai vendu. De toute façon, je vais finir par vendre toute ma prison au bout d'un moment. Ok, ça marche. Bon, on a de la thune. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va recruter un peu. On va recruter un jardinier déjà pour qu'il s'occupe un peu de la pelouse. Donc ça, j'en ai assez. On va recruter deux gardes. Les gardes armés, c'est bon. Docteur, c'est bon. Ça, c'est bon. Psychologue, j'en ai un, ça suffit. Cuisinier, j'en ai 6. On va dire que pour l'instant, ça suffit. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est d'augmenter ça. Voilà, on va en rajouter 2. Toc, toc, voilà, ok. Donc toi, t'es corvée de cuisine, tu nettoies les plateaux, c'est très bien. Vas-y, boss feignasse. Ok, ça c'est bon. Security. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui se passe? Putain, même dans la cour. Oui, dans la cour. Ok, faut que je m'en occupe de ça. Faut que je m'en occupe, faut que je m'en occupe. Donc ici, on va mettre... Putain, ils ont tout défoncé, bande de chacals, quoi. Ok. 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 Au milieu, on va mettre du sable. Voilà. Les objets. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez! Arrêtez! Putain, sérieux, c'est bon les mecs quoi. Oh oh! On est entre adultes là. Pas de ça entre nous. Ok, on va rajouter des bandes muscu, ça fait plaisir. Cabine téléphonique. Tac, putain, ça coûte cher les cabines téléphoniques, c'est ouf quoi. Hop, bon ici il y en a assez des cabines, c'est bon, ok ça marche. Ok, ici c'est bon. Staff, on va faire toujours un mec à l'intérieur. Est-ce que j'ai fait les patrouilles? Ouais, j'ai fait les patrouilles, c'est bon. Très bien de mettre quelqu'un à l'intérieur ici pour la caméra de sécurité. Ok, ça me va. Donc les douches commencent vraiment à être petites, mais en même temps j'en ai un peu partout, donc ça va. Ici il y a de la baston. Parce qu'il faut que j'essaye de reprendre un peu le contrôle de la prison. Voilà, on va en mettre partout. Tant pis, ça va me coûter la peau des fesses, je vous l'accorde. Mais là j'ai pas le choix. Voilà, on en met partout. Et là... Ok, j'ai pas assez de mecs, donc on va recruter 1, 2, 3, 4, 5. Ok, parfait, très bien. Là c'est bon, ça bosse. Là c'est bon, ok, parfait. Très bien, on reprend un peu du poil de la bête là je trouve. Regardons un peu les besoins. Donc régime, on s'en fout les besoins. Et ben voilà, il n'y a plus qu'un problème de nourriture à régler. Bon, famille, récréation, comment vous dire que voilà quoi. Donc vous mangez,
vous avez du temps libre, vous travaillez. Yard, vous mangez. Vous avez du temps libre, vous travaillez. Vous mangez, vous avez du temps libre. Bon, ça me paraît pas mal, hein, franchement. C'est correct, hein. C'est correct. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, pour faciliter le trajet, de rajouter une porte là-haut? Ouais, que ça leur évite à chaque fois de faire tout le tour. Donc là, je suis pas sûr qu'il y ait assez de bouffe. Du coup, c'est pareil, on va profiter qu'on ait de la thune pour agrandir. Voilà, 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 voilà. Les bancs. Voilà, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc on en profite. Voilà, parfait. 4, 8, 12, 16, 20. Serving table, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok, vous avez eu le temps de manger ou pas là? Je suis pas sûr que vous ayez eu le temps de bouffer. J'ai l'impression que c'est passé tellement vite. Est-ce que je devrais pas mettre 2 heures? Est-ce que je devrais pas mettre 2 heures et supprimer le repas du soir? On va voir. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est passé trop vite et qu'ils ont pas eu le temps de bouffer en fait. On va surveiller le repas du soir un peu pour voir comment ça se passe. Bon, on a encore 17 prisonniers qui arrivent, c'est bien, ça commence à se remplir, ça fait plaisir. On a de l'argent, on en retouche 16 000 dans 2 jours. Bon, je suis plutôt satisfait pour l'instant. Ok, donc normalement c'est le programme d'éducation. Il est où, il est où? Il est là, voilà, parfait, ça y est, ça bosse, très bien. Alors, surveillons ça. Voilà. Allez, allez, on y va, là. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça avance, c'est très bien. Petite sauvegarde automatique, toi tu balayes. Bon, ben c'est bien. Ok, ce fut difficile, mais on y est arrivé. Alors, est-ce que je peux mettre... Est-ce que je peux mettre 2 arbres ici? Histoire de rajouter un peu de... Voilà, déjà la couleur ici c'est nettement plus agréable. Des bandes muscu, il y a de quoi téléphoner. On voit que ça marche, c'est très bien. Ça fait plaisir. Ok, ici c'est bon aussi. Là ça bosse. Eux on se demande ce qu'ils foutent. Je crois qu'ils attendent à bouffer. Ils sont tranquilles, ils sont heureux. Voilà, la bouffe est en train d'être préparée. Bon. Ok, c'est nice. On va surveiller, la prochaine bouffe c'est quand? Ok, donc là c'est le travail. Je refais une petite coupure et je vous retrouve. Je vous retrouve rapidement juste pour vous montrer qu'en fait le programme de formation a bien fonctionné puisque ça y est, j'ai des mecs qui peuvent travailler. Enfin, il était temps. On voit, hein, ça bosse. En fait, c'est tout simplement ici. Voilà, programme de formation, il y en a 4 qui l'ont fait. Et du coup, quand on regarde dans déploiement job, voilà, on voit qu'il y en a 4 qui peuvent travailler. 4 sur les 20 places disponibles, ils sont formés, ils peuvent bosser. Et par conséquent, on va fabriquer des plaques d'immatriculation et on va pouvoir les revendre. Et ça va me faire un peu d'argent. Et ça, c'est clairement la bonne nouvelle. Si j'arrive à en mettre 20 ici, je vais vendre masse plaques d'immatriculation. Et ça va me faire de la thune. Et ça, c'est clairement la bonne nouvelle. On va voir, on en est où, tiens, dans les besoins. Allez, encore une petite heure, je la passe vite fait. Et on va bouffer. Voilà, je vous retrouve. Ça me fait penser à un truc, tiens, par rapport à la bouffe. Ah oui, c'est low. Ah ouais, 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 bah ouais, bah autant mettre du good. Autant mettre du good. Putain, 1000$ par jour. Voilà, on va mettre du medium, medium. Ça coûtera moins cher. Voilà, medium, medium. Parce que le problème de ce contrat-là, c'est qu'il se reset, il se reset à chaque fois. Donc je pourrais jamais le faire. En fait, on l'a vu, hein, j'y étais arrivé à le faire à 100%. Et quand j'ai repris la sauvegarde pour faire une nouvelle séance de tournage, ça me la reset. Et du coup, en fait, il faut 4 jours complets pour faire ce contrat-là. Et c'est embêtant. C'est embêtant parce que je tourne jamais 4 jours d'affilée, quoi, en fait. Donc, je pourrais pas le faire, celui-là, ce contrat-là. Donc, ok, allez. Voyons voir ça dans les besoins. Voilà, ça y est, la nourriture, ça commence à descendre. On commence à reprendre quelque chose qui se rapproche un peu de... quelque chose de correct, hein, tout simplement. Bon, c'est pas encore la gloire, mais voilà. J'ai l'impression qu'ils ont pas eu le temps de bouffer. Ça, ça m'embête, ça. Ça m'embête, ce qu'on va faire, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On va rajouter
le soir, une heure pour bouffer ici. Voilà, pour demain. Ça leur fera une heure supplémentaire pour bouffer. Parce que là, on le voit, hein, faut pas être aveugle. Il y a un gros problème de nourriture. Il y a 40 personnes qui bouffent pas. Il y a 40 personnes qui n'ont pas le temps de bouffer. Donc une heure, c'était pas suffisant. On met 2 heures le soir et puis c'est pas grave. Même les 3 repas, c'est pas grave. Au mieux ça que se taper des émeutes et se retrouver dans une situation délicate. Moi, je préfère à la limite. Ça me va. Ok. Bon, ici ça avance bien. Un peu plus de place, des plateaux. On va mettre un nouveau serving table. Je sais pas si j'en ai assez. Donc dans le doute, voilà, j'en rajoute 2 ici. Comme ça je serai tranquille jusqu'à la 5 glinglin. Ok, ça c'est bon. L'électricité, il me reste 2 batteries. Bon, bah... Ah non, j'ai rien dit. Le programme d'éducation est toujours pas bon. Le problème, c'est que le programme, il va être reset aussi, quoi. Putain, ça m'embête, ça. Bon, c'est pas gagné, hein, tous ces contrats-là. Hein. C'est pas gagné du tout, mais on va voir. Ok. Bon, là, c'est un peu de temps libre. Il va pas se passer grand-chose, épisode assez calme. Même si au début, ça a failli partir en cacahuète. Je refais une coupure et je vous retrouve dès demain matin, hein, tout de suite. Ok, allez, on se retrouve, ça va être l'heure de bouffer dans quelques secondes. Je vois que mes cuisiniers sont prêts, ils sont au taquet, ils ont bien bossé toute la nuit. Donc là, ils ont placé les serving tables, ils reprennent un peu les plateaux repas tout pourris qui traînent. C'est assez dégueulasse ici. Non, ça va. Bon, y a un bout de pomme de terre qui traîne au sol, mais ça va. Ok, allez, c'est l'heure de bouffer. Voilà, les gens se lèvent. À table, c'est parfait. Donc ici, on va laisser la porte ouverte. Sera beaucoup plus pratique. Voilà, c'est bien si ça se sépare en deux. Moi, ça va, c'est beaucoup plus fluide comme ça. Très bien, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Ok, super. Allez, on bouffe, s'il vous plaît. On bouffe. Voilà, très bien. Hop, des médicaments qui ont été trouvés. Need. Voilà, la nourriture qui descend. Ben voilà, on était à 40 personnes, ça descend un peu. Est-ce qu'il y a encore de la baston? Il faut tout le temps qu'il y ait de la baston ici. Ok, bon, ils ont pas tous eu le temps de bouffer. Mais on est bien descendu. Il n'y a plus que 20 personnes qui n'ont pas eu le temps de bouffer contre 40 encore hier. Ce qui veut dire que il y a encore une sauce qui va être distribuée à 2 h. Puis après 8 h, 9 h, ok, ça devrait le faire. Allez, les nouveaux prisonniers. Jack, Joachim, GL999, Zontar, Greg, Serogrim, Lemalex, Louyana. Louyana, t'es tout nouveau, toi. Combat de rue et fausse monnaie. Combat de rue et fausse monnaie, 4 ans. D'accord, ok. Qu'il en soit ainsi. Ensuite, nous avons Lemalex, Spit, Andy, Kei Nishimura, Misha, Sponge, Deneis, Togepi. Ok, salut les gars. Et pour finir, le petit dernier, Crinitus. J'ai failli t'appeler Critinus. Mais non, c'est Crinitus, autant pour moi. Bon, bah du coup, on est à combien? 150? Eh ben c'est pas mal, ça. Ok, parfait. Bon, on va arrêter là cet épisode pour aujourd'hui. On se retrouve dans 3-4 jours environ pour la suite. Ça se passe bien. Mon objectif, c'est toujours pareil, atteindre 300 prisonniers. On a fait la moitié. On a repris un peu du poil de la bête dans cet épisode. Je croise les doigts, je croise les fesses. Pourvu que ça dure. Salut, bye bye. Oh, putain, la baston encore.